Alors, les exercices que tu peux faire quand tu te lèves le matin, soit tu les fais dans ton lit, soit tu les fais tout de suite sur un tapis. Donc déjà, bon, bah, si tu te lèves de ton lit, c'est bien parce que tu peux marcher et puis faire un petit peu de d'échauffement au niveau des épaules, des rotations dans un sens, dans un autre. Voilà, rien que quand tu marches, en fait, ça va te libérer au niveau du bas du dos. Voilà, ça va pareil, chauffer le bas du dos. Et après, pour ce qui va être les exercices pour le ventre plat, la dysplasie. Dysplasie, hein, c'est quand en fait tes abdos s'écartent, soit parce que tu fais mal tes abdos, soit parce que tu as eu une grossesse, ou soit parce que tu as pris de l'âge, tu as fait plein de choses, tu as des antécédents qui font que l'accumulation de tout ça fait que voilà, tu as du ventre. Donc, ce qui va être le plus important, c'est la respiration. Donc, si tu as déjà fait du pilates, c'est super. Sinon, je te montre de suite. Donc, déjà, rien que la respiration, ça fait déjà travailler, ça fait resserrer les muscles profonds. Donc, tu inspires par le nez, tu gonfles là au niveau des poumons. T'inspires, tu rentres le ventre. T'expires, tu rentres le ventre. Ok, mon ventre ne bouge pas. Hein. On rentre. Voilà. Et là, il ne bouge pas. Il fait pas comme ça. Okay. Si tu pousses, tu vas le deviner toi-même, tu vas pousser tes organes vers la sortie. Et tu vas voir du vent. Donc ça, c'est déjà la première chose importante. Tu peux déjà rien faire. 10 inspire, 10 expire, comme ça. Hein, avec le contrôle de ta respiration. Donc j'inspire. J'expire. Surtout, n'hésite pas à faire du bruit avec ta bouche. Comme si, imagine que tu avais une patate chaude. Regarde-toi. On le voit là. Parce que si tu souffles tes bougies, tu dégonfles et ça contracte rien du tout. Inspire, expire. Ok, allez, ensuite, on va essayer de mettre des exercices dessus. Donc déjà, alors moi j'ai mal au dos hein, le matin quand je me lève, donc je vais faire des introversions, des rétroversions du bassin. Voilà, là, sans forcément avoir une respiration. Ou je peux faire la respiration. Inspire, expire. Inspire, expire, rétroverse et soulève légèrement le bassin. De même pas oublier de le soulever. Voilà. Moi, ça c'est pour les gens qui ont mal en bas du dos, mais bon, ça peut faire du bien à tout le monde. Ok. Voilà, ça vient aussi te muscler les fessiers. Si tu viens soulever un petit peu plus haut. Donc là, voilà. En détail, tu poses, tu plaques ton dos au sol, tu reprends ta courbure naturelle, tu relâches. T'inspires, tu rentres le ventre, tu plaques, c'est-à-dire tu rétroverses ton bassin et tu montes tes fesses en expirant. Ça s'appelle le shoulder bridge au Pilates. Voilà, tu peux le faire une dizaine de fois. Et après, on va rentrer dans les exercices spécial ventre plat, dysplasie. Donc, tu vas tout simplement, en fait, repousser. Alors, tu montes ta jambe en chaise renversée.
Voilà, angle à 90. Et tu vas repousser avec le dessus de ta main ton genou. Hein? Mais voilà, tu retiens bien sûr. Faut il faut qu'il y ait une petite tension. T'inspires et tu repousses ton genou en expirant. Relâche. Relâche. Inspire. Voilà, on va le faire 10 fois de ce côté-là. Toujours la même respiration, hein. J'expire, je rentre le ventre. Donc à peu près une dizaine de fois, là j'ai pas compté. Toujours la même main. Et là, avec l'intérieur de ta main, tu vas repousser l'intérieur de ton genou. Toujours pareil, j'inspire, je rentre le ventre, j'expire. Je contracte. Et je pousse avec ma main quand j'expire. Il fait du bruit exprès, mais après, avec l'habitude, t'es pas obligé de faire le bruit. Une bonne expiration avec la bonne haleine du matin, là, c'est merveilleux. Si c'est quelqu'un qui dort avec toi, c'est top. Ok. Ensuite, même chose avec l'autre main. Bon, garde le genou en l'air, en chaise renversée, avec le dos de la main. Pareil, tu viens repousser ton genou avec le dos de ta main à chaque expire. Ok. Même main, on change le genou. Je pousse avec l'intérieur de ma main sur mon genou. Je repousse. Et là, franchement, j'ai une contraction de malade mentale. Là, je le sens. Là. Ça se voit, ouais. Ah, ça y est, on remet ça tout. Merci l'aquabike et le pilate. Voilà, toi, n'hésite pas à compter, hein. Je n'ai pas compté. Et donc, voici en gros les exercices qu'on peut faire. Après, on peut aussi se faire un petit final. Donc, dans le début, voilà, tu fais juste ces exercices. Après, si tu veux en rajouter dans l'évolution de tes séances, au bout de, je sais pas moi, une dizaine de séances, tu peux le faire avec les deux mains. Là, tu repousses avec les deux mains.
sur l'extérieur et après sur l'intérieur. Même comme ça. Ok, il y aura encore plus de contraction. Et voilà, et après on se détend le dos pour aborder notre journée dans un état optimum. Et voilà, ça a duré 10 minutes. Donc ça, c'est bien de le faire dès que tu te lèves. Voilà, moi je me suis levée, le petit n'était pas encore réveillé. Et je me suis dit, allez, j'en profite. Pour une fois, je ne le fais pas dans mon lit en scred en attendant qu'il se réveille. Et du coup, voilà, je me suis mis dehors tranquille sur ma terrasse avec un tapis. C'est quand même mieux que dans le lit au niveau... Moi j'ai un matelas mou, mais si t'as un matelas dur, ça passe. Mais c'est toujours mieux d'être sur un tapis bien à plat. Allez, dis-moi en message, en commentaire, si tu arrives à le faire tous les matins. Voilà, objectif, on fait ça tous les matins pendant un mois. Tu peux prendre des photos aussi avant, après. Et tu me diras aussi ton ressenti sur tout ça.